Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de vous faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Mais nous pas perdre du temps, nous commencer. Cool, yeah. Li fait 8 heures dans la soirée, le ministre TPTC a ingénieur dans des joies. Comment ces visites là? Ministre l'a constaté, il y a un travail de préparation qui a continué à faire dans l'entrée de la Kafoujov pour DPA pour mettre l'asphalte avant longtemps. Il y a une visite qui va poursuivre dans l'usine Gravel, localité Tiboukan, commune Bassin-Bré. Gravel, ça a été fait avec Gravel, il a commencé à produire. Aujourd'hui, on a besoin de rapidité avec laquelle il a produit 1,035, 2,06. Les matériaux là sont matériaux 0,35. C'est Gravel qui fait couille de base. Et ça, moi-même, c'est une unité qui est réalisée entre toute équipe qui est dans RN5 là, qui au divin Angelo et puis Tidoc. Ils sont tous composés ensemble. Tidoc a bas au divin 0,35, là-bas Angelo 0,35, au divin même à bas Tidoc enrobé, là-bas Angelo enrobé. Donc ils ont composé ensemble pour faire route RN5 là. Dans la ville Port-de-Paix, précisément avenue Trois-Rivières, technicien TPTC a fait carnivore et puis tout toi. C'est de ce que là, nous sommes en ville Port-de-Paix, nous allons passer dans toute route RN5. Et de Port-de-Paix à Kafoujov, il totalise 80 km, y compris ville. Donc, nous avons gardé le travail qu'a fait dans la ville. Tant qu'on dit, nous avons avenue Trois-Rivières. La partie c'est pas trop trop à l'entrée de la pensée. C'est côté pour motocyclette courir. Et son route, il fait près de plus de 2 mètres pour motocyclette courir des deux côtés. Et route là, il totalise 7 mètres environ. Je suis capable de considérer, entre guillemets, c'est avenue qui était une avenue qui était pire en mauvais état. Et nous te souhaitons que d'ici 8 décembre, et pour nous, bah, mon pas de peur, une avenue qui dit. Donc c'est dans le cadre de ça que nous travaillons matin, midi, soir pour que nous soyons capables de lancer des travaux pour que Port de Paix fête en 8 décembre avec une avenue qui est plus ou moins à la hauteur de Samoun Port de Paix à Patonne de ville. Délégation Terremi, belle place, côté gain travail, canalisation et drainage qui a réalisé pour protéger la population contre l'inondation. Mais on n'a pas équipé important, c'est construction et dégraver ça. Et c'est lui-même qui peut kembe tous ces dimanches qui peut permettre canal au par exemple. Rapide et il va le faire en dalou là et presque dalou ça longue elle presque là 15 mètres oui. Et pour le construire en dalou qui va permettre de passer la donne, il vient créer des gravelins de temps en temps. C'est un canal qui grand longueur de plus de 300 mètres. Après belle place, direction usine asphalte, la qu'il gomone. Côté ministre de la Justice, sensibiliser et puis encourager les techniciens pour continuer le travail pour finir à coup de Kafoujov pour des pères. Dans la localité Macabre, commune Gomon, c'est Asphalt qui continue à mettre. Route Kafoujov pour des pays qui avancent. Route Kafoujov pour des pays, tant qu'on dit, c'est 80 km. Donc, la travail, il y a trois acteurs qui travaillent là-dedans. Il y a Odiver qui est parti là-dessus. Il y a Tidoc et Angelo qui sont partis nord-ouest. Mais si vous regardez là, il y a tout le travail. La journée est pour la nuit. Et n'a promis pour 80 km ça nous finaliser avant 30 janvier 2022. Que route Kafoujov là je dis c'est pas une promesse encore, c'est une réalité, j'en ai vécu là. C'est que si on regarde la population là qui a des années pas jamais ça a eu la soit là, il y a vivre la soit là je dis là, grâce avec la promesse que le président Jovenel nous fait. Gardez état avancement, travail construction centrale thermique dans la localité La Saline, commune Port-de-Paix. C'est l'objectif principal, visite ministre Travaux publics, Transport, Communication, qui te gagne avec le directeur général de DH, là, Michel Présumé. Travail avancé, c'est opération, ça a président mandé, opération pour te bourrer et pour te coller, dans tout ensemble. Et pendant que nous avons la centrale électrique Port-de-Paix, là, président de la centrale et Port-au-Prince, et Taïwanais a conçu pour nous. Nous, tout en côté, nous avons porté bouillie ensemble pour nous avoir 17 mois qui étaient, hein, qui quantité de travail nous avons fait, qui remplacé la période des pays locaux, qui remplacé la période coronavirus, hein, qui bloquait nous en pile. Malgré tout,
n'a pas quantité de travail dans ta deux offrir à la population. Directeur général EDH, là, Michel Présumé, et directeur départemental EDH Nord-Ouest, là, Matli Edmond, fait qu'on est, il va installer 6 groupes dans l'espace ça après construction centrale là. Ça, c'est un projet de construire une nouvelle centrale. Pourquoi ça nous construit une nouvelle centrale? Nous avons quand même un cas qui a deux génératrices de 2,25 MW, dont une seule a travaillé pour le moment, pas vrai? Et nous sommes capables de dire, bon, on renforce, nous fini. Mais ce n'est pas pour deux pays seulement, nous, ouais. Nous, ouais, toutes les communes qui ont voisiné Dieu. Ça, nous, les présidents, les projets micro-réseau. Donc, nous avons le bassin bleu, nous avons le Chansol, Port de Paix, Saint-Louis du Nord, en sa fouleur. Donc, au lieu que nous avons fait 4, 5, 6 centrales, nous décidons de faire une seule centrale, et centrale, ça a gagné en capacité thermique 10,25 MW. Donc, nous avons 2,25 MW qu'on y a là, en bas. Donc, yon, là, dans la panne, 1,12. Nous avons mis 4 moteurs de 2 MW qui ont fait 8 MW sous lit. Nous avons commencé confiant, nous avons vu que le travail a marché. Et nous disons souvent que très bientôt, nous avons pris vaisseau yo, et comme ça, nous avons très posé. Dans le Nord-Ouest, c'est un département qui est plus ou moins calme. En matière d'énergie électrique, nous faisons pile effort pour nous quimber. Du point de vue commercial, les contingents pas trop marché. Mais à partir de construction, ça, nous avons vu avec les yeux, nous avons entendu avec les oreilles. Donc, dans pile effort, commencer à faire côté client, qui commencer à venir retrouver nous, venir régulariser la situation, venir payer les factures. Centrale SAB construit sur 8 hectares. La prospecté toute l'homme à 6 000 d'après technicien qui travaille sur le chantier. C'est pour la première fois pendant que nous avons que nous prenons l'initiative de construire de propre nous-mêmes. Donc, ce n'est pas Fimix qui a fait, c'est EDH qui a construit la centrale. Nous devons voter précision ça. Et mis à part ça que responsable département de construction a dit, nous ne pouvons pas qu'on a ajusté, que nous avons dit son bâtiment qui est parasismique et en même temps qui est anticyclonique. La fondation, nous fouillons juste à 1,50 m environ, et puis tout, nous faisons semelle filante. Et depuis ce, avant nous faisons semelle, nous faisons des remblais tout venant. Et on se met de près de 10 cm de béton hydraulique et qui fait. Et puis tout après ça, nous placer et armature avec fait 5/8. Et puis tout, nous couler 30 cm de béton sous ce mêlant. Descendre cap venir là, c'est de ça responsable pour finir à construction centrale thermique là, dans la commune, pour de paix. C'est la première fois dans le reste en bénéficier asphalte parce que depuis 1804, 216 ans passé, tout gouvernement passé ou toujours passé dans le régime. Pas jamais quelqu'un qui pensait à Nord-Ouest. Cette fois-ci, le président de la République, son excellence Jovenel Moïse, décide pour Nord-Ouest bénéficier de la sorte. Ça. C'est 76 km de route qui était fait bien longtemps, en plus le gouvernement passé, mais on était toujours abandonné. Mais cette fois-ci, nous-mêmes, Nord-Ouest, nous jouons ça. Nous jouons une route qui relie Cafoujoff à Ansapouleur. C'est le premier kilomètre asphalte qui a mis sur route là. Nous commençons par Ando. De Ando, on n'a pas fait sur le bassin bleu, mais une autre équipe qui prend de Ando à Port-de-Paix. L'important pour le monde nord-ouest qui toujours en vivre dans la caillou. Mais malheureusement, il y a toujours peur pour cette poussière. Port de paix, un pile petit port de paix, qui t'a même venu en fait immaculé, mais il y a toujours découragé parce que nous ne pouvons pas faire ça. Bon, ça là, Kounyala, ça c'est Gretchini. Kounyala, c'est épaisseur asphalte là, moi t'apprends avec lui. Kounyala, nous mesurer avec 10 cm. Nous t'es passé et puis c'est asphalte. C'est une fierté pour nous-mêmes, nous avons besoin de nous que nous avons besoin. En plus, le gouvernement passé, chaque jour, nous avons dit à faire ou pas à faire. Mais cette fois-ci, avec volonté du président du groupe, son excellent Jovenel Moïse, nous-mêmes, nous avons besoin de nous que nous avons demandé. Nous avons voté pour lui, nous travaillons pour lui. Cette fois-ci, nous avons besoin qui dehors, ça qui est partout à travers le monde, nous avons besoin de paix, qui besoin de port de paix dans la fête immaculée. Qui n'a jamais venir parce qu'on dit que pour serrer la boue, mais cette fois-ci, nous-mêmes, nous prenons les premiers kilomètres à la qui sont ça, ou de créer les cafouchons avec la sapouleur. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec la chaîne. Là. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour être capable de jouer nous. Son babé à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.